J'aimerais vous raconter l'histoire de Carthage, une ville qui autrefois était l'une des plus puissantes capitales de l'Empire romain. Ceci dit, que bien avant qu'elle était romaine, cette ville a été créée en 814 avant Jésus-Christ par la reine Elissa Didon et la nomma Carthage, nom provenant de Car Adasht, qui signifie en phénicien « ville nouvelle ». À cause de son emplacement stratégique, Carthage a toujours été le terrain de conflits sanglants. Les plus importants de ceux-ci sont les trois guerres puniques qui se sont terminées par la victoire de Rome, qui imposa son pouvoir par la création de la ville romaine. Aujourd'hui, le site archéologique de Carthage est un site dispersé dans la ville actuelle de Carthage. Il est dominé par la colline de Birsa, qui était le centre de la cité punique. Il se distingue par la silhouette massive de la cathédrale Saint-Pie. Carthage a toujours été un lien très étroit avec la mer. Nous sommes ici donc dans le port le plus important du sud de la Méditerranée, à savoir le port de Carthage. Et qui a été creusé, donc c'est un coton, c'est pas un port naturel, et qui démontrait donc ce savoir-faire des Carthaginois qui tiraient leur force de leur maîtrise de la technique de la navigation. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est devenu une métropole à l'égal de Rome et d'Athènes, avec un habitat, avec des ports, avec des monuments publics. L'emplacement de Carthage est au cœur de la Méditerranée, c'est un choix absolument stratégique, au milieu de cette Méditerranée sur laquelle Carthage tirait leur force économique. À proximité de cette cathédrale se trouvent les vestiges du plus important quartier de la ville. Il n'en subsiste que quelques fondations et quelques fragments de colonnes, mais on peut y mesurer la puissance qui émanait alors de la cité. Dimension immense, grand espace, vue panoramique et organisation des rues. Surplombant la ville de Carthage de son plus haut point, ce forum est construit par les Romains de 27 avant Jésus-Christ à 192 après Jésus-Christ, durant les deux dynasties, Julio-Claudien et Antonien. De l'agora grecque, le forum est un lieu qui a une perspective très monumentale, à usage multifonctionnel, où les Romains pouvaient traiter les affaires politiques, judiciaires et économiques. Mais le forum est avant tout un lieu sacré, un lieu où s'exprime la volonté populaire. Le forum de la haute ville de Birsa comporte une série de bâtiments qui s'articulent autour de la place du Grand Temple. Ce forum comporte une bibliothèque, un temple principal, un temple secondaire et une basilique qui est la plus grande en dimension après celle de Trajan. Les édifices du forum sont tous d'ordre corinthien et sont liés par des galeries à colonnes qui sont en forme de U. Carthage était la rivale de Rome et pendant deux siècles, trois guerres puniques qui se sont terminées avec la destruction de la ville. Les Romains, en arrivant ici, ils ont acquis le territoire de Carthage qui devient propriété du peuple romain. Ils choisissent un autre nom en s'inspirant de ce qui existait sur les
sur les sols, le sol tunisien, à savoir des tribus du côté, disons, à 40 km de Carthage, qu'on appelle les Afris ou les Afers. Ils ont tiré de ça le nom Africa pour rayer le nom de Carthage de l'histoire. Le mot Afrique est une invention romaine, mais avec la destruction de Carthage. Depuis l'année 2011, le site archéologique de Carthage a connu une chute de 54% des recettes touristiques. Cette baisse est due aux événements politiques et sociaux enfouis dans le pays, ce qui a engendré de nouveaux problèmes tels que le manque de moyens pour l'entretien des ruines et les menaces des constructions anarchiques. Carthage a été le premier des sites et monuments tunisiens à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais durant les dernières années, la villa d'Elissa Didon se voit en besoin de revalorisation. Une conception qui peut donner une nouvelle vie et une nouvelle fonction à un monument du passé. Cette fusion entre passé et présent permettra de retrouver la symbolique du monument et de la consolider structurellement. Cette terre qui évoque la joie de vivre avec son climat subtropical et ses merveilleux jardins a été une inspiration par plusieurs artistes à travers le monde. C'est sur cette ville que Gustave Flaubert a écrit son œuvre Salammbô et que le poète Nizar Rapéni a dédié plusieurs de ses poèmes.